少次地靠我，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生。就他乡寄故乡，游子，你可记得土地的方向？妈妈，你可知？浙江兰溪市有一个美丽的村庄，这里居住的都是诸葛亮的后人，仅这一点就足以让它充满了神秘感。而且这儿青山绿水，建筑风貌也是独具一格。诸葛村就是我们即将前往的目的地。从三三零国道下来，沿着这条路马上就可以进村了。但是在这儿举目望去，全部都是青山绿野。这是因为这种特殊的地理环境，使得700多年来这里相对完整地保留了属于自己的文化。诸葛村就这样静卧在群山环抱中，也深藏在许多人记忆深处的乡愁里。这一次我们就要去认识它，记住它。Sans vue à vol d'oiseau, il est difficile de découvrir qu'un grand village ancien se cache derrière de basses collines au bord de la route nationale. Il y a 700 ans, des descendants de Zhuge Liang s'y sont pourtant installés. Et aujourd'hui, plus de 4000 d'entre eux y habitent toujours. C'est la plus grande agglomération de descendants de Zhuge Liang. Certains disent que le village de Zhuge a adopté les formes de Diogong et de Bagua pour imiter l'ordre de bataille de Bagua inventé par Zhuge Liang. D'autres pensent que le village est une application minutieuse du système des 8 trigrammes par des descendants de Zhuge depuis les dynasties Song et Yuan. Bien entendu, certains croient que la structure Bagua du village n'est qu'une interprétation arbitraire des générations futures. Quoi qu'il en soit, en entrant dans le village, on a l'impression d'entrer dans un labyrinthe. Avec des briques verdâtres et des tuiles grises, des ruelles et des maisons, le village de Zhuge est toujours calme et paisible. Ces ruelles, larges ou étroites, droites ou en zigzag, débouchent toutes sur le centre du village, l'étang Zhongche. C'est un étang qui a la forme d'un poisson. En face, on trouve symétriquement un terrain. Les deux se complètent pour former un diagramme de Traizi. Dans le village de Zhuge, il y a 18 étangs, à côté de chacun desquels se trouve un puits. Les étangs sont reliés les uns aux autres. L'eau vient du ruisseau de Sheling, à l'est du village. Les maisons du village sont construites autour des étangs et du temps des ancêtres pour faciliter la vie et la discussion des affaires importantes. À l'origine, le village de Zhuge s'appelait Gaolong, car il se trouve sur le mont Gaolong. Il y a 700 ans, au milieu de la dynastie des Yuan, Zhuge Dashe, descendant à la 27e génération de Zhuge Liang, a choisi cet endroit pour construire des maisons et a décidé de déménager à Gaolong, ce qui a été noté clairement dans le document généalogique de la famille Zhuge.
Zhuge Yi, descendant à la 50e génération de Zhuge Liang, est enseignant à la retraite du lycée de Lanxi. Il a participé à la rédaction de la note généalogique de la famille Zhuge et de l'annuaire du village de Zhuge. Maintenant, il est impossible de vérifier si leurs ancêtres se sont référés au système de Bagua pour choisir l'endroit et construire le village. Cependant, selon la note généalogique, après le déménagement, Zhuge Dashe a dit à ses fils et à ses petits-fils de ne pas quitter cet endroit, même si la famille rencontrait des difficultés. Aux yeux de Zhuge Yi, c'est sans doute une coïncidence. Le nom Gaolong correspond à l'histoire de Zhuge Liang de demeurer à Longzhong. Et s'installer à cet endroit leur apporte la protection des ancêtres. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Zhuge Dashe, spécialiste en géomancie, a choisi Gaolong. Li Tiuxiang est professeur à l'Institut d'architecture de l'Université de Tsinghua. Elle est l'un des premiers chercheurs et protecteurs de l'architecture folklorique en Chine. Il y a plus de 20 ans, elle et deux vieux professeurs ont découvert le village de Zhuge lors d'une enquête le long de la rive sud du fleuve Yangtze. Ils s'émerveillaient alors face à ces plus de 200 constructions anciennes, bien préservées, des dynasties Ming et Qing. Depuis lors, elle y revient souvent pour lever des plans de construction anciennes. C'est grâce à elle que ce vieux village de la rive sud du Yangtze est connu du grand public. Voici la salle d'Agong à côté de l'étang Zhongche. Avant l'avant-toit relevé, cette salle solennelle a été construite par Zhuge Dashe et a été restaurée plusieurs fois. Elle est le seul monument de commémoration de Zhuge Liang sur la rive sud du fleuve Yangtze et la construction la plus somptueuse et la plus distinguée du village de Zhuge. Zhuge Yi, qui est à la retraite, y rassemble les enfants du village pendant les vacances pour leur apprendre la lettre à son fils de Zhuge Liang. 君子就是有道德、有修的人。那么，怎么样才能成为君子呢？就是静以修身，俭以养德。静就是心要静下来，俭以养德。这个俭就是我们说要节俭。La lettre à son fils a été rédigée par Zhuge Liang à l'âge de 54 ans et adressée à son fils Zhuge Zhan qui avait 8 ans. Ce sont ses derniers mots avant sa mort. Selon Zhuge Liang, pour former un homme à la fois vertueux et compétent, il faut maintenir une âme sereine pour polir son caractère et mener une vie frugale pour perfectionner sa conscience morale. Si l'on ne peut pas abandonner ses désirs, on n'arrivera pas à rester persévérant. Si l'on ne peut pas garder la sérénité, on n'arrivera pas à réaliser son ambition. L'abandon des désirs permet d'identifier ses ambitions et la tranquillité permet de s'éterniser. La lettre à son fils, texte classique que les habitants du village de Zhuge lisent dès leur enfance, exerce une influence profonde sur les comportements des descendants de Zhuge. Selon eux, l'abandon des désirs et la tranquillité demandent la persévérance et la sérénité de l'âme. Pour obtenir quelque chose, il faut savoir abandonner. On doit savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. 分出之后呢，他们在发展过程呢，就是不断有自己的各自的取向。比如像大房，它是以务农为主；那么这二房呢，就是激励子孙努力读书；那么三房呢，是做生意的。Celui qui excelle dans ses études peut devenir mandarin. Dans l'Antiquité en Chine, les mandarins occupent la place sociale la plus importante, puis ce sont les paysans et les artisans.
les commerçants sont les plus méprisés. Il est évident que faire des études pour devenir mandarin est le meilleur moyen de vivre, de s'épanouir et de faire honneur à ses ancêtres. Cependant, il semble que les habitants du village de Zhuge aient leur propre opinion en ce qui concerne le meilleur moyen d'existence face aux vicissitudes de la société. À Zhongche, il y a une maison d'une grande élégance antique. Monsieur Zhuge Gaosong, 83 ans, descendant à la 88e génération de Zhuge Liang, ouvre chaque jour la porte de sa maison et la fait visiter. Les trois générations précédentes de M. Zhuge Gaosong étaient médecins. Les habitants de Huizhou connaissent les trésors, alors que les Zhuge connaissent les plantes médicinales. Voilà un dicton bien connu à l'Annecy. Les commerçants du village de Zhuge ont connu de grands succès dans le domaine de la médecine et de la pharmacie. D'après eux, il est difficile pour les descendants de dépasser les exploits de Zhuge Liang, qui était un premier ministre célèbre des Chou au cours de la période des Trois Royaumes et qui a gouverné avec un grand succès. Grâce à sa localisation géographique, le village de Zhuge est devenu, depuis la dynastie des Ming, le plus grand centre de vente de médicaments chinois dans le sud-ouest du Zhejiang. Sous les dynasties Ming et Qing, les habitants du village de Zhuge ont établi plus de 200 pharmacies de médicaments chinois dans les provinces littorales du sud-est de la Chine et même à Hong Kong et à Macao. Ils ont créé une série de marques célèbres, telles que Tian Yitrang. Les habitants du village de Zhuge respectent la parole de Zhuge Liang avec habileté et pragmatisme. Après avoir fait fortune par le commerce, beaucoup d'entre eux sont retournés dans leur pays natal, ayant construit de grandes maisons somptueuses, ce qui a donné ce très beau village que nous voyons aujourd'hui. Après des dizaines d'années de vent et de pluie, un grand nombre de constructions anciennes avaient besoin d'être restaurées. Les travaux ont été pris en charge par l'équipe de l'architecture ancienne du village. Zhuge Yanxin, 39 ans, descendant à la 59e génération de Zhuge Liang, est l'un des responsables de l'équipe. À l'âge de 16 ans, après avoir fini le collège, il ne voulait pas poursuivre ses études. Sa famille lui a fait apprendre la menuiserie. Au début, il n'a appris à faire des meubles. Mais en 93, on a commencé à restaurer une grande série de constructions anciennes au village et Zhuge Yanxin a voulu saisir cette occasion pour mettre en valeur ses compétences. À la différence de son comportement à l'école, il s'est adressé à plusieurs artisans pour apprendre les techniques de restauration. Beaucoup de jeunes sont sortis du village pour trouver du travail. Lui ne l'a jamais quitté. Avec 20 ans d'expérience, il est désormais le meilleur menuisier de l'équipe de construction ancienne du village.学习、学文还是说这个肯定是的，每个地方都一样的，都是鼓励孩子好好学习。但是有很少一部分人能够学习这方面达到很好的效果。大部分人都是在家里啊，干点农活啊，学点手艺啊，是这样子的。我们这就是把这个东西祖宗留下来的东西，我们把它保护好，保护好留在下一代，慢慢的给它留下去，传承下去。 Les habitants du village de Zhuge ont très tôt leurs propres valeurs. Selon l'admère du village de Zhuge, il y a eu un couplet antithétique transmis par les ancêtres devant la salle Shangli de la branche du frère cadet. Pour respecter les ancêtres, il vaut mieux passer le concours national pour devenir mandarin et il faut garder la loyauté, la piété filiale, l'honnêteté et l'intégrité. Mais malgré la place importante des intellectuels, les paysans, les artisans et les commerçants, se spécialisent également dans leur propre domaine. Ici, l'idée traditionnelle de se succéder en cultivant la terre et faire des études intellectuelles est remplacée par celle de développer la famille non seulement en cultivant la terre et en faisant des études intellectuelles, mais aussi en faisant du commerce. On reconnaît qu'importe le métier qu'on pratique, paysan, lettré, commerçant ou artisan, il faut être diligent. Après 700 ans de vent et de pluie, les descendants de Zhuge Liang vivent toujours ici. Ils développent la famille et font fortune par leur intelligence et leur pragmatisme. En même temps,
il garde toujours l'âme sereine et l'attitude indifférente envers les séductions extérieures. Voilà le temple du Premier ministre qui se trouve à la porte du village de Zhuge. C'est le temple commun du clan. Il est adossé à une colline et fait face à un étang et à l'avenue principale du village. Mais devant la porte principale, il y a un mur dans lequel on a percé deux portes. Le temple du clan devait avoir un accès facile, mais son entrée paraît assez étroite. Pourquoi a-t-il été conçu comme cela? En effet, l'avant du temple est plus bas que la partie arrière, ce qui relève de la structure du tigre selon la géomancie chinoise. La porte principale est justement la bouche du tigre, alors que la maison en face est aux Wang qui ont vendu la terre à Zhuge Dache. Compte tenu du sentiment de la famille Wang, les Zhuge ont construit un mur devant le temple pour cacher la bouche du tigre. Visitez des ruelles retirées. Regardez les toits et les nuages. Contemplez des fleurs épanouies et des papillons. Sentir la brise et le parfum du lotus. Ces scènes de la vie rurale peuvent calmer l'âme. Prendre un petit verre avec quelques amis au coucher du soleil, à côté d'un étang. C'est le moment où on peut le mieux apprécier la tranquillité au village de Zhuge. Shantrang est le plus grand étang du village de Zhuge. Depuis une centaine d'années, c'est le centre commerçant et il témoigne de la prospérité du village. Il y a même un commissariat de police dans ce village. Dans les années 1930, on a construit une petite centrale électrique près de l'étang Shantrang. On a installé des lampes dans le village de Zhuge avant que l'électricité n'arrive même à l'Annecy. Suzian Zhong trente une maison ancienne au coin de l'étang Shantrang. En 2005, il y a installé l'enseigne Restaurant Rue Ancienne. Suzian Zhong est intelligent et compétent. Son père, sa femme et lui, toute sa famille travaillent au restaurant. Comme la plupart des jeunes du village, il a aussi quitté le pays natal pour trouver du travail. Il a travaillé pendant 6 ans comme menuisier à Shanghai et est devenu le chef de son équipe de construction. En 2004, s'inquiétant de sa mère malade, il est rentré au village. L'heure du dîner est le moment où la famille de Suzian Zhong est la plus occupée de toute la journée. Quand les visiteurs viennent au village de Zhuge, ils viennent y trouver des aliments frais comme des crevettes et des viviparides pour s'en régaler au bord de l'étang Shantrang. Avec son restaurant au village, la famille de Su est contente de sa vie. Son père cultive des légumes à côté du village et fournit le restaurant. Il a 68 ans. Le village de Zhuge a une agence de voyage. En plus de la prestation étatique de 100 yuan aux personnes âgées, les plus de 60 ans peuvent toucher une aide de 200 yuan par mois de la part du village. La famille est assidue et honnête, ce qui rend le restaurant de plus en plus prospère. À la haute saison touristique, ils peuvent servir 20 ou 30 tables. La mère est tombée malade et est morte avant Qingming, la fête des morts, début avril. Mais Suzian Zhong retient dans son cœur ce que sa mère lui a dit lorsqu'il a quitté la famille pour se rendre à Shanghai. Tani,
到外面去你不要去赌博，不要去抽烟，不要去喝酒，能力诚实一点，勤快一点，老板会喜欢你。放弃在上海工作，在家里弄点小生意做做啊，坐在平台上看见对面呢人家喝喝茶，脑子想进去以后呢，其实这里一个享受的地方，心态会放平下来。Il y a 1700 ans, Zhuge Liang, premier ministre du royaume de Shu, a réalisé ses exploits dans les troubles sociaux de la période des Trois Royaumes. Il est devenu depuis un symbole d'intelligence. Beaucoup de ses inventions, telles que le verrouillage de Kronming, la lanterne de Kronming, la lanterne volante et l'arbalète à répétition, se sont transmises jusqu'à nos jours. Zhuge Wenzhang, qui a confiance en lui-même, est le descendant à la 51e génération de Zhuge Liang. Il fabrique des verrouillages de Kronming depuis 20 ans environ. On dit que le verrouillage de Kronming a été inventé par Zhuge Liang selon la théorie de Bagua. À l'intérieur, des pièces s'emmanchent ingénieusement avec les structures de tenons et de mortaises. Il est facile de les défaire mais difficile de les assembler. Le verrouillage de Kronming permet de se détendre, de développer l'intelligence et de rendre ses doigts plus adroits. La boutique de Zhuge Wenzhang est au bord de l'une des routes principales du village. En général, quand les visiteurs entrent, il arrête son travail et leur présente avec fierté l'invention de son ancêtre. Mais il s'inquiète du sort de l'artisanat traditionnel. Face au choc du marché, beaucoup d'ateliers artisanaux de verrouillage de Kronming ont fermé et il n'en reste seulement deux. Cependant, les verrouillages à la main sont faits en camphrier. Les matériaux sont de meilleure qualité et ils sont plus fins que les verrouillages fabriqués par des machines. Il ne faut pas laisser disparaître le savoir-faire traditionnel. Avec cette idée, Zhuge Wenzhang a inventé 64 structures différentes de tenons et de mortaises. Il les divise en 8 groupes de 8 pièces en fonction de leurs difficultés et sur la base de Bagua. De plus, il a inventé des dizaines de nouveaux modèles de puzzles, parmi lesquels le modèle dont il est le plus fier est la maquette du pavillon de la Chine à l'exposition universelle de 2010, composée de 118 baguettes de bois. Selon le calendrier lunaire, le 14e jour du 4e mois est l'anniversaire de la naissance de Zhuge Liang et le 28e jour du 8e anniversaire de sa mort. On organise une petite cérémonie chaque année et une grande cérémonie tous les 3 ans au village de Zhuge. La personne la plus âgée du village est le descendant de la 47e génération de Zhuge Liang, alors que la plus jeune est à la 55e génération. 9 générations vivent dans le même village. Lors des cérémonies d'honneur des sacrifices, ils relisent les paroles de Zhuge Liang. Il y a 1700 ans, Zhuge Liang s'est installé à Longzhong pour cultiver son caractère et faire des études.
Il demande à ses descendants de commencer aussi par améliorer le caractère et approfondir les études pour se préparer à servir l'État et réaliser son épanouissement personnel. La tranquillité permet de s'éterniser dans la lettre à son fils et la devise de nombreux Chinois. Les habitants du village de Zhuge comprennent bien que l'abandon de l'aspiration à l'honneur et à la richesse ne veut pas dire rester banal. Mais c'est une attitude dégagée. En gardant la sérénité, on peut bien suivre sa propre orientation.对于诸葛村来说，我只是一个外乡人，但是在这生活的这段时间里，每天他都可以触碰到我心底的乡愁。我想，乡愁可能就是一切能唤起我们对故乡和亲情美好记忆的事物。它可以是一种淡泊宁静的生活态度，可以是一池潭水和潭水边的一口早茶，可以是童年的一句家训和一个玩具，也可以是现在这片寄满了祝福和希望的夜空。故乡也许很远，但是乡愁可以一直记在心间。枫桥夜，灞桥流，一声珍重离你家走，跨四海闯五洲，长路漫漫难回首。相思豆，恋似藕，梦里常在花萼中游。黄土地，绿天愁，画中美景不胜收。从此乡愁绕心头，游子枕上泪，离人心上愁。记住乡，我的同胞骨肉，秋水伊人，青山红袖，何日相逢在。